Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 31 mai, il est 21h44. J'ouvre le vlog donc seulement maintenant, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant. Je suis réveillée depuis 21h, voilà, puisque je me suis recouchée à 19h. Comme d'hab, hein, de toute façon, vous avez l'habitude, je m'endors pendant Secret Story. Ouais. Donc en fait là on a une commande à préparer. Donc c'est Anne-Sophie qui a passé commande. Donc merci à toi d'avoir passé ta première commande donc sur le site. Donc je rappelle que le site c'est lesfondantsparfumsnano.com et que vous pouvez bénéficier comme Anne-Sophie si vous passez votre première commande du code HOP bienvenue 5 qui vous offre 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum. Donc on va préparer la commande et on la poste, quoi. Du moins, je la mets dans ma boîte ce soir et elle part donc demain. Voilà. Et donc, bien sûr, il faut qu'on travaille cette nuit. Cette fois, j'ai plus le choix. Les Lolita Olympica ont été totalement dévalisés. Il n'en reste qu'un. Il reste qu'un seul Lolita Olympica. Donc, on va devoir, quoi. Je vais devoir bosser. Voilà. Je vais devoir bosser. De toute façon, j'ai Lolita Olympica à refaire. J'ai les nouvelles fragrances. J'avais poire à refaire. Je n'ai pas refait la dernière fois. En stock. Attendez. Noix de coco que je dois refaire qui est totalement vide. Aussi en rupture. Barbapapa. Ouais, il nous reste 6. Bon, ça va. Monoï Passion. Ah bah non, je crois que j'ai pas remis mes stocks à jour sur cela. Excusez-moi. Donc, noix de coco, faut que j'en refasse. Poire, faut que j'en refasse. Non, toi, t'as pas été mis à jour. Faut vraiment que je remette mes stocks à jour. Clafoutis cerise. Non, je l'ai pas remis à jour. Désolée, hein. Je suis fatiguée là. J'ai ma fiche avec les trucs à mettre à jour, mais Bubblegum, pareil, je l'ai pas remis à jour. Morito, pareil, je l'ai pas remis à jour. Savon Dove, pareil, je l'ai pas remis à jour. Ouais, donc Lolita Olympica, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Lolita Olympica. Donc, voilà, il m'en reste qu'un. Donc, je vais bosser sur Lolita Olympica, poire et les 5 nouvelles fragrances. Voilà. Et puis voilà. Et pistache, faut que j'en fasse pistache, il n'en reste que 8. Pistache, il n'en reste que 8, donc faut que j'en refasse. Noix de coco, et puis voilà. Et sûrement, peut-être refaire quelques. Bon, je vais pas refaire quelques monoï. Ah bah si, elle en a pris 4, c'est ça? Il n'en reste que 10. Bah oui. Donc faut que je refasse quelques monoï. Donc. Faut que je refasse quelques monoï. C'est la galère. Ouais, j'ai du travail cette nuit, de toute façon, j'ai pas le choix. Je me suis endormie à. Je me suis couchée, il était 7h du matin. J'ai dû m'endormir vers 8h. Clairement, je me suis endormie vers 8h. Le temps de ramasser les cacas des chiens et un truc que Charlie nous a pondu. Ah là, il a pondu un truc. Waouh! Première fois que je vois Charlie qui nous fait des trucs comme ça. Donc j'ai ramassé aussi donc la litière à Charlie. Et puis après j'ai somnolé. À chaque fois je me réveillais toutes les heures parce que j'étais dérangée par des odeurs. On se demande pas pourquoi. Non les chiens. Et puis en fait bah, je me suis réveillée à 17h20. Je me suis réveillée à 17h20 et voilà, j'ai sorti les chiens sous la pluie. Au début il y a un problème avec ma commande, mon colis n'a pas été pris, parce que d'après ce que je regarde sur mon compte La Poste, ils me disent que le colis n'a pas été pris parce que l'étiquette n'est pas conforme. Donc je vais chercher le colis dans la boîte pour regarder ce qui s'est passé. Le colis, il a été pris. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'a fait le facteur. Il a dû se planter quand il a bipé le colis. Et après, je voulais faire une réclamation. Ça m'a dit que le colis a bien été bipé et mis dans les services logistiques. Donc voilà. Et aujourd'hui, mon colis Timou devait arriver. Donc, bah, en fait, ça m'a appelé pendant que je dormais. C'était colis privé qui livrait. Et colis privé ne cherche même plus à ce qu'on reprogramme une livraison. Si t'es pas là le jour où il passe,
Ah bah ils mettent dans un point relais, voilà. Sauf que le point relais est dans la ville d'à côté. Voilà. Et dans la ville d'à côté, t'as pas de voiture, t'es dans la merde. Voilà. Donc j'ai dû demander à ma mère que bah, quand elle reviendra de son week-end, si elle pouvait donc m'emmener au point relais. Elle m'a dit pas avant mardi, parce que je pense qu'elle rentre lundi après-midi ou en fin d'après-midi, je pense. Voilà. Assez sympa, hein. Ils adorent mettre dans des points relais à Pétaochenok-les-Bains. Ça, c'est colis privé. Alors qu'avant, tu pourrais reprogrammer une livraison. Ah non, eux, ils passent une fois. Si t'es pas là, bah, tant pis. Si t'es pas là, tant pis. Hein. Tant pis, t'es pas là, tu te démerdes après. Mais pour les personnes pas véhiculées, en fait, je sais pas comment on fait. Comment on fait quand on n'est pas véhiculé? Et qu'on ne peut pas prendre les transports en commun. Parce que, bah, parce que y a un bus qui passe. Mais imaginons. Je sais pas, c'est une personne handicapée physique. Elle fait comment si elle peut pas prendre le bus? Ils pensent pas à ça. Et ça, c'est l'enfer. Donc ouais, donc le seul point relais colis privé qu'on a, donc c'est un bar hein, dans la ville d'à côté. C'est la galère. Donc ma mère m'emmènera mardi. Voilà. Donc ouais, et puis là, ouais, donc la commande, je la comptabilise pour juin. La commande qui m'était passée, je la comptabilise pour juin, puisque je n'aurai l'argent que la semaine prochaine. Donc je la comptabilise pour le mois de juin. Ouais. Donc là, on la prépare, quoi. Jen m'a sorti tous les fondants. Moi, je sors le brûleur. Et j'empaquette ça bien. Voilà, j'empaquette ça tout bien. Et en tout cas, merci de continuer à me faire confiance et à réaliser mon rêve qui serait donc d'en vivre clairement. Et limite, si je pouvais embaucher Jen, si je pouvais dégager des salaires et embaucher Jen, pas de problème. Mais bon, là, elle peut pas tout faire. Donc là, voilà. Donc écoutez, je finis mon café. Ce soir, on finit la semoule. Comme on n'a plus de viande, j'ai décongelé. Quand j'ai demandé à Jen de décongeler des steaks hachés de jambon que j'avais acheté au champ, des steaks hachés de jambon. Voilà, donc on va manger ça avec la semoule. Puis voilà, donc là, on va pas manger à 22h. Faut pas déconner qu'il est même pas, il est 21h52. On va pas manger à cette heure-là. Faut pas déconner. Les chiens se tapent sur la tronche. Cannelle tape sa meilleure vie. Mais arrêtez. Oh. Il se tape dessus. Hein. Mais ça suffit, oui. Oh. Non, mais oh. On se calme. Hein. On se calme. Oui, mais t'es moche, toi. Toi, t'es pas beau. Mais t'es pas beau, puis tu pues le chien. Non. T'as un gros nez en plus. Ah oui, mais t'as un gros nez. Range ta langue. T'as un gros nez, mon chien. Non, 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 non. Non, oui. Oui, quelle un maman. Pendant qu'on dormait, à câlin maman. Hein. Oh, attention, t'es mal installé. Oh, aïe, oh. Pouf. Câlin maman pendant qu'on dormait. Jen a pu regarder Secret Story tranquille. Que Muffin et Melba, ils s'étaient collés à moi pour dormir. Ah bah oui. C'est mieux d'être collé à maman. Moi, Jen a pu regarder Secret Story tranquille. Mais eux. Non! Il peut pas jouer. Melba, elle veut qu'il joue à ça tous les deux. Attends. Mais non. Allez. Attends. Melba. Melba. Aïe, aïe, c'est mon doigt. Mais Melba. Alors, Muffin. C'est pas possible. C'est tout baveux. C'est dégueulasse. C'est tout baveux. C'est dégueulasse. Oui. Donc, écoute, oula, vous êtes plus cadré. Écoutez, j'ai quelques vidéos à regarder et je vous dis à toutes. Le retour de la baston pour un micro bout de corde. Alors qu'il y a des cordes partout sur le lit, hein, mais c'est pas drôle sinon. Ça se transforme en combat de catch. Eh, les chiens! Oi, oi. Ça se transforme en combat de catch. Eh, les chiens, je vois pas ce que vous faites, hein. Mais prenez une vraie corde! Prenez une vraie corde, pas un morceau de ficelle! Vous êtes vraiment pas doué, hein! Des cordes, il y en a plein à la maison!
Mais ça, c'est les résultats quand Melba passe avec une corde. Voilà ce qu'il en reste à la fin. Mais... Petit trou du cul. Allez, on tire. On tire. On tire. Ah mais Melba, elle lâchera pas, hein. Allumez la Melba, tu triches. On met pas la patte sur la corde, t'as triché. Ma fille est en train de dire, je vais me faire bouffer la tronche. Vous voulez pas l'embêter, Tata Jen? Non, bah vous êtes bien là, collé comme ça là, à la bouche. Ah non, on grogne pas. Hein. Ah bah vous êtes bien. Vous avez l'air fin quand même, hein. Et vous inquiétez pas, il y a une mamie là qui dort de tout son long. Mamie? Mamie? Ouh, oui, mamie, mamie, mamie. Ah bah, je vois pas ta tête. Mamie, elle a été épilée là. Pouf. Agnan. Bon, mamie, mais laissez-la. Vous, vous jouez avec votre corde. Moi, j'ai fait des gratouilles à mamie. J'ai fait des gratouilles à mamie. Oh oui, oh non, non. Eh, monte ta tête. Monte ta tête, monte ta tête. Oh, il était belle, mon bébé. Oh, il était belle. Il est minuit 23. On a fini de manger, là, il n'y a pas longtemps. J'ai plus qu'à faire la vaisselle et à préparer pour bosser, clairement. J'ai préparé la commande d'Anne-Sophie. En fait, elle est déjà dans la boîte aux lettres et au moment où je l'ai mis dans la boîte aux lettres, je vois qu'elle m'a mis un commentaire sur YouTube en me disant est-ce que je pourrais lui mettre 5 bougies chauffe-plat en attendant qu'elle en achète. Et heureusement, j'avais pensé, je lui en avais mis une. Mais j'ai vu le commentaire trop tard et bah, malheureusement, je ne peux pas rouvrir le colis. Donc voilà. Donc ouais, donc j'avais mis qu'un chauffe-plat. J'ai mis qu'un chauffe-plat et puis tant pis. Désolée. J'avais prévu d'en mettre un déjà, j'ai pas pensé en mettre plus, mais après le colis n'aurait pas fermé de toute façon. Donc bon, en tout cas j'espère que ça te plaira. Voilà, j'espère que ça te plaira. J'ai remis les stocks à jour entre mon œil pêche, mon œil rosé et mon œil passion, savon Dove, Mojito, clafoutis, rose et bubblegum. Voilà, ça j'ai remis à jour. Parce que sur le site ce n'était pas à jour, parce que ce n'était pas. J'avais pas remis à jour déjà dans mon fichier. Et voilà, donc là j'ai remis à jour sur le site et dans mon fichier, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc ce soir, je dois refaire donc mon oeil, l'eau italienne pica pour que j'en fasse au moins 30. Donc mon oeil, l'eau italienne pica, j'ai dit quoi d'autre? Poire, noix de coco et les pistaches aussi et les 5 nouvelles fragrances. Voilà, il y a du taf, hein. Il y a du taf, mais bon, là, il n'y a pas le choix. J'étais frigorifiée, donc j'avais du chauffage jusqu'à l'instant là. Mais là, j'ai éteint le chauffage parce que Jane est en train de fumer, donc la fenêtre ouverte. D'ailleurs, vous entendez une voiture, il est minuit, la voiture, elle démarre, tu sais pas pourquoi. Voilà. Les gens à minuit, ils partent en week-end, hein, je sais pas ce qu'ils font, mais bon. D'ailleurs, ce week-end, vaut mieux pas sortir de ma ville, enfin sortir dans ma ville. Ce week-end, c'est la foire à la photo dans ma ville. Donc en gros, c'est une foire internationale. C'est une foire internationale puisque nous avons donc le musée de la photographie française. Et en gros, tous les ans, le premier week-end de juin, la ville organise donc la foire à la photo. Donc en fait, ça regroupe tous les passionnés de photographie. On y retrouve certains exposants en photographie, mais aussi des appareils photo
des vieux appareils photo ou ceux qui veulent les réparer peuvent trouver des pièces, voilà, spécifiques. Voilà, donc nous, quand on est dans ma ville, les habitants, les Biévrois, ne sortent pas ce week-end-là. Clairement, ce week-end-là, c'est un week-end à ne pas sortir. De toute façon, il va pleuvoir tout le week-end. Donc, pas de chance. Mais c'est vrai que, bon, ça met de l'animation dans la ville. Mais là, nous, Biévrois, ça nous bloque. Parce qu'on ne peut pas circuler. Parce que la ville devient clairement piétonne. Donc, pour circuler, faut un laisser-passer. Du moins en voiture, hein, pas à pied, mais faut un laisser-passer. Donc, voilà, c'était la galère. C'est pour ça que ma mère, elle part en week-end. Voilà, elle part en week-end. Presque depuis 3 ans maintenant, elle part. Quoique, elle n'est pas partie l'année dernière. L'année dernière, elle n'est pas partie, puisque l'année dernière, c'est là où c'est le jour où ma fille a eu son accident. En fait, j'étais chez mes parents. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais chez mes parents, c'est le 3 juin, parce que je me souviens, c'était aussi la date d'arrivée de Canel. Et en fait, c'était le 3 juin l'année dernière. Le portail a été mal fermé. Excuse-moi. Le portail a été mal fermé de mes parents. Heureusement que les voitures roulaient au pas. En fait, Muffin s'est enfui sur la route. Il s'est retrouvé pris en sandwich entre deux voitures, une qui montait, une qui descendait. Et en fait, il a eu peur. Donc, il a foncé dans une première voiture et il a ricoché dans une deuxième. Donc, une dame arrivée en catastrophe. J'ai écrasé un chien, j'ai écrasé un chien. Moi, je vois que tous les chiens sont là. Je dis, bah non, tous nos chiens sont là. Non, mais c'est celui-là et tout. Alors que Muffin était rentré, il n'avait rien. Donc, je regarde Muffin, il avait juste la bouche en sang. Donc, j'ai quand même au véto en urgence, parce qu'on ne sait jamais, un traumatisme crânien ou n'importe quoi. Le véto lui donne des antibios, lui fait une piqûre au cas où d'antidouleur et tout. En soi, Muffin se laisse totalement manipuler. Voilà, il était un petit peu moumou, mais ça allait. Et voilà. Et en fait, au final, il a une dent qui lui est rentrée dans la gencive. Voilà. J'ai fait la visite de contrôle des 15 jours. Et mon veto, lui, a constaté que la dent ne le gênait pas et que si c'était son chien, il le ferait pas chier. Voilà. Parce que c'était soit on opérait et on retirait la dent qui était retournée dans la gencive, mais ça ne le gêne pas, ça n'a pas, ça ne s'est pas infecté, donc voilà. Notre résultat, il a une dent rentrée dans la gencive, il a failli en perdre une autre, mais ça s'est resolidifié. Ah, moi, chien, bah, tu t'es pris des voitures dans la gueule, hein. T'es pas doué, mon chien, hein. Mais ça aurait été Melba, elle aurait fait carpette sur la route, hein. Heureusement que c'était meuf, heureusement. C'était Muffin, ça allait, parce que Melba aurait fait carpette. Alors là, ça c'était sûr. Mais Muffin, lui, il ricoche dans les voitures. Ah, mon bébé, bah oui, tu t'es pris une voiture en pleine face. Heureusement que les voitures roulaient à deux temps, parce que si c'était en route normale et pas ce week-end-là, Muffin restait sur le carreau, hein, clairement. Ah, mon bébé, bah oui. Donc, le 3 juin, ça fera donc 14 ans que mamie est arrivée. Voilà, parce que Canel est arrivée le 3 juin 2010. Le 2? Le 2? Bon. Dimanche, c'est l'anniversaire de Chacha. 5 ans. D'accord. 5 ans. L'anniversaire de Chacha. Muffin, c'est en septembre. Melba, c'est le 17 juillet. Ah, ma crevette, tu vas avoir 2 ans. Tu vas avoir 2 ans pour le. Oh oui. Tu vas avoir 2 ans. T'es déjà chiante. Tu vas avoir 2 ans, bébé. Lui, il va en avoir 5 aussi. Peut-être 2019, mon chien. Du 23 septembre 2019. Oh, oui, mon bébé. Oui. Ah oui, mes bébés, je vous aime. Oula. Donc, écoutez, je vais faire la lessive. Non, je vais faire la vaisselle. Ce serait mieux que faire la lessive. Hein. Je vais faire la vaisselle. Et je finis quelques vidéos et après je m'attaque à bosser. Et je m'en fous, je dois me mettre un coup de pied au cul. Même si je. De toute façon, j'ai pas le choix, faut vraiment que là je fasse du réassort. Donc, ouais, j'ai pas le choix. Donc, allez hop, au travail. Il est 2h20, je m'apprête à travailler. Donc, ici, nous aurons Lolita, poire, monoï. Noix de coco,
Angel, Kenzo, Séduction, La vie est belle, quoi, la Vita Magica, et la petite robe noire. Voilà ce que je vais préparer. Il faut vraiment que je rachète d'autres moules. J'en ai pas assez des comme ça et les autres sont plus très bien. Allez, je bosse. Il est 3h06. Ça avance. Voilà, ça avance doucement. J'ai déjà fait trois fragrances. Voilà. Donc là, j'attaque noix de coco et chérubin. Donc Angel de Mugler. Et après, il me restera à faire Kenzo, Séduction et la petite robe noire. Il me manque un. Et la vie est belle, la Vita Magica. Ouais, il me reste à faire. Jen s'est endormie. Et moi, j'ai fait sonner l'alarme incendie. Je sais pas pourquoi. Il y a eu tout d'un coup de la fumée dans l'appartement. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc l'alarme s'est déclenchée. Les chiens ont aboyé. Charlie s'est caché. Jen n'a pas bougé. Quoi qu'elle a dû entendre, mais elle n'a pas dû bouger. Je sais pas. Ou alors elle n'a pas entendu, je sais pas. En même temps. Elle est épuisée. Souci de fille. Voilà. Et en fait, comme elle est un petit souci de ce côté-là, en fait, elle, c'est toutes les 3 semaines. Donc voilà. Donc malheureusement, voilà, c'est pas de chance. Et en général, elle, ça la rend en état de larve absolue, mal au bide. Voilà. Donc à part dormir et attendre que ça passe, elle ne peut rien faire. Voilà. Moi, demain, j'ai un colis à aller chercher à la poste. J'ai un colis à la poste qui m'attend. Si je ne me suis pas endormie, la poste fait 9h midi. Donc, si je ne me suis pas endormie, j'irai chercher mon colis. Sinon, ça sera lundi après-midi. Voilà. Oh. Cannelle, je vois pas de pétrole. Hein. Cannelle, il n'y a pas de pétrole, mon chien. Oui, ma fille. Arrêtez! Oui, l'alarme incendie a sonné, ça fait du bruit, ça fait mal aux oreilles, je sais. Je suis bien amochée là. Je suis bien amochée. Je sais pas ce que j'ai. J'ai Lion le bouton qui s'amène aussi. Mais là, je sais pas ce que j'ai. Après, oui, j'arrête pas de me lécher les lèvres, je sais pas. Je suis irritée. Là, je suis toute rouge. J'en ai marre, mais j'en ai marre. De toute façon, mon corps me dit totalement fuck. Donc bon, j'ai fini les vidéos que j'avais regardées. Donc, le vlog de Simplement Moi, le vlog de Des Addictions by N, le vlog de moi de Gwen. Et puis voilà, ce que j'avais regardé. Puis une vidéo de Simplement Moi, de Simplement Mylène que j'ai regardé aussi. Voilà ce que j'ai regardé aujourd'hui. Puis voilà, donc, Muffin, s'il te plaît, tu me laisses? Est-ce que tu peux me laisser? Trop te demander? Demain, il faut absolument que je fasse mes cookies parce que ma mère m'a donné les œufs il y a déjà une semaine. Donc, mes œufs dimanche. Donc, ouais, il y a presque une semaine qu'elle m'a donné les œufs. Donc, il faut vraiment que je. Fasse mes cookies, muffins s'il te plaît. Pousse ton gros nez s'il te plaît. Ça suffit, hein. Ça suffit, hein. Voilà, donc écoutez, là, ma cire doit être fondue, j'y retourne. Il est 4h24, je viens enfin de finir de bosser. Bien sûr, j'ai pris mon temps, hein. J'ai pas tout enchaîné. De toute façon, le temps de faire les vaisselles entre chaque coulage de fondant. Donc, j'ai enfin de finir. Mon éponge est en train de laver. Voilà. Donc, voilà. Donc, enfin, tout c'est fait. Le parfum Séduction. Il sent tellement bon. Ça va, c'est une pépite là. Parfum Séduction. C'est une pépite. J'ai encore fait sonner le détecteur. Je ne comprends pas. Donc, je l'ai enlevé. Je le raccrocherai plus tard. J'ai pas compris pourquoi elle a encore sonné. Alors en fait, c'est pas de la fumée. C'est pas de la fumée, en fait, c'est de la buée. Parce que ça ne s'évacue pas par les fenêtres. Et quand j'ai touché
quand j'ai enlevé le détecteur, il était tout humide. Donc ouais, c'est plutôt de l'humidité qui fait de la fumée comme de la buée, plutôt que de la fumée de cramer. Voilà, j'ai pas compris, j'ai jamais fait sonner ce truc de ma vie depuis que j'ai emménagé. Là, il a sonné deux fois cette nuit. Donc je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai fini mes sessions boost. J'ai rendu toutes mes sessions boost. Voilà. Et en fait, sur le colis de Anne-Sophie, Jen allait le rechercher. Et en fait, j'ai collé une petite enveloppe dessus avec donc des chauffe-plats. Voilà. Donc avec des boules d'échauffe-plats en plus. Voilà. J'ai collé ça sur l'enveloppe. Enfin, sur le colis. Sur le paquet du colis. Je suis désolée, ça me fait super mal. Hein. Entre Léon le bouton là que j'ai gratté. C'est très moche. Très très moche. Voilà. Donc bah là, je suis enfin posée sur mon lit au calme. Voilà, je suis enfin posée sur mon lit. Faut que je commence le montage du vlog. Alors il ne sera pas long. Je suis désolée. Mais en fait, en même temps, j'ai bossé. Il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà. Donc ouais, comme il s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, bah en fait, je n'ai pas grand-chose à raconter, à part la commande d'Anne-Sophie. Voilà, je n'ai pas spécialement de choses à dire de plus. Donc je fais le tirage au sort du fondant de demain et je vous reprends. Tirage au sort du fondant de demain. Il n'en reste que 4. Et le gagnant est... Ananas. C'est bon, tirage au sort du fondant de demain fait. Donc ce sera le fondant ananas. Et puis moi, bah là, écoutez, je vais regarder une série. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense pas lire. J'ai pas très envie de lire. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas fatiguée. Je suis encore au café. Donc de toute façon, j'ai dit que j'irai à la poste ce matin à l'ouverture récupérer un colis. Voilà. Donc écoutez, je vais faire le montage du vlog. Donc le vlog sera pas très intéressant et pas très long. Je suis désolée. Mais bon voilà. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cette cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!